Alors coucou les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Oui, parce que j'ai décidé de faire un truc sur mes bijoux, parce que mes bijoux sont tout mélangés. Donc ici j'ai un chouchou, je ne sais même pas pourquoi le chouchou est là, mais bon, c'est pas grave. Je vais prendre le chouchou, je vais mettre là où j'ai mis tous mes chouchous et tous mes trucs pour me coiffer. Et ici dedans nous avons des bagues, donc des bagues, pas des bagues de fiançailles, mais une bague en tout cas comme ça, une petite bague pour ouvrir en fait. Et ici nous avons normalement un petit collier que je n'ai pas, très sympa. Donc j'ai perdu deux colliers, donc j'ai pas envie de perdre d'autres colliers. Donc ici c'est les bijoux, j'ai eu un des bijoux que j'ai eu à Noël, donc mon petit collier que j'ai eu à Noël, donc voilà. Hop, et j'ai enlevé mes boucles d'oreilles que j'ai mis à Noël parce que je pense les remettre mais avec autre chose. Donc les boucles d'oreilles sont là, donc je les ai mis dans ma petite boîte, donc voilà, ici. Donc là, il y a des boucles d'oreilles que ma maman m'avait achetées. Et ici, nous avons les boucles d'oreilles que ma soeur m'a achetées. Donc il y a celle-là et il y a l'autre. Je vais pas vous montrer, les deux sont pareils. Donc voilà. Donc du coup, ici, nous avons le bracelet que ma maman m'a acheté. Il est un petit peu trop grand pour mon bras. Mon poignet, je veux dire, et qui est emmêlé, bien sûr. Ah, voilà, donc c'est un infini avec un cœur, donc pour moi et ma mère, ma soeur et ma tante. Et comme vous le savez, j'adore les bijoux, enfin, vous le savez peut-être pas, mais je vous le dis. J'adore les bijoux et donc voilà. Donc voilà, donc je l'ai mis dedans comme ça. Donc j'ai ma petite boîte pour ça. Ensuite j'ai un petit bracelet style métallique, donc je le garde toujours, on sait jamais. Du coup hop, voilà, je mets tout de côté et je vous montre. Ça c'était un bijou pour ma maman. Vous pouvez pas faire mieux. Hein. Ah bah voilà un collier que j'attendais. Précieusement à voir pour qu'il aille normalement dans la boîte Noélie. Oh là 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 là. Donc ici c'est un collier. Oh non. Non. Ah, ouf. Donc ici c'est un collier que ma maman m'avait acheté avec mon papa avant qu'ils se divorcent. Donc j'y tiens vraiment à celui-là, même s'il est un peu rouillé, il a un œil de partie, etc. J'y tiens beaucoup, donc je ne veux pas le perdre. Donc pour ne pas le perdre, je vais le mettre dans ma petite boîte Noélie. Donc, attendez, parce que là, je vais tout tomber. Donc je vais tout mettre par terre et je ramasserai après. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais enlever le surplus de ça. Donc, de ça, et ce que je vais faire, c'est que je vais passer ça comme ça, comme ça. Attendez,
un moment où je me concentre, donc j'aime bien me concentrer pour mes bijoux. C'est un peu normal. Enfin, pour moi, je trouve que c'est normal. Mais vous pensez ce que vous voulez. Voilà. Donc, ça ne va pas rentrer, donc ce que je vais faire, c'est que je vais pas faire comme ça. Plutôt recommencer. Commencer à mettre la boîte comme ça. C'est un bijou que je tiens vraiment à cœur. Voilà. Après, moi, je me dis, ce bijou, c'est toute ma vie. Si je perds, je suis triste, quoi. Bon, là, je pensais que là, je savais très bien qu'il était quelque part dans mon sac parce que j'avais mis dans mon sac. Mais la fois, quand j'avais regardé, ça m'avait vraiment inquiété. Je vous mettrai peut-être une petite vidéo là ou là où je m'inquiétais, pardon. Je sais pas si je vais pouvoir la mettre. Donc, si je la mets pas, ne vous inquiétez pas si vous ne voyez pas de vidéo, c'est pas grave. Normalement, elle va être affichée par là ou je sais pas où je vais l'afficher, mais normalement, c'est au-dessus de moi. Donc, pour ne pas le perdre, il faut faire des nœuds sur les boîtes. Moi, je trouve que c'est mieux les boîtes pas comme ça. J'aime pas les boîtes avec des nœuds. Des nœuds. Donc, voilà, la petite boîte, elle est bien. Voilà, neulée, on va dire, neulée. C'est quoi l'expression? Ici, nous avons un petit bracelet porte-bonheur que ma soeur avait acheté un livre avec, que j'ai porté pendant un moment. Mais il s'est enlevé de mon bras, du coup, je ne le porte pas. Je ne suis pas malade, non, non, au contraire, je me fais bien. C'est juste que, ça me boule la gorge depuis le jour de l'an parce que j'ai trop crié et j'ai chanté archi, archi fort. Voilà pourquoi je viens de pousser. Non, mais je vous préviens, vous avez dit des bêtises et que. Ça part en vrac, en vrac, en vrac. Ça me brûle. Donc voilà, mon petit bracelet. Donc ici, je vais mettre les bracelets vraiment qui sont. Voilà, qui m'importent vraiment, mais moins que. Autres. Donc ici il y a des colliers que j'avais fait avec ma tata et un que je n'ai pas fait avec ma tata. Donc celui-là je l'ai fait avec ma tata. Donc comme les autres que je vais vous montrer après d'ailleurs. Sauf ceux de, ils sont enchaînés. Donc celui-là il est comme ça. Donc je le mettais pendant une période. Donc en fait je pouvais le mettre comme ça. Et ici, tu avais le petit mandala. Je te le montre. Donc voilà, comme ça. Donc voilà. C'était un petit produit comme ça que je mettais souvent. Et que. Enfin, que je mets plus. Je mets des fois, mais pas tout le temps. Donc celui-là, ça m'a. Porter vraiment beaucoup d'attentivité sur ma tata et ma tata, bah, je l'aime quoi. Et voilà, je vous en dirai pas plus sur ces mots, d'accord. Ce collier là, je vais le mettre, je sais pas où. Oui, j'aime bien, je l'adore, c'est pas problème, mais c'est plus en soin dans une petite boîte où je sais que. Prendre soin en fait. Si c'est pas d'en prendre soin, ça ne sert à rien. Donc je le mets là, dans cette petite boîte là. Donc je le mets là dans cette petite boîte là, j'ai repris mon rythme de normal. De normalitude, on va dire ça comme ça. Donc ici nous avons.
un autre produit, truc chocolat, c'est pas un collier, c'est un petit bracelet. Donc pareil, le motif il est peut-être pas pareil, peut-être pas la même couleur, mais c'est un petit bracelet. Je l'ai fait pour ma maman, mais elle ne veut pas mettre ses bracelets comme ça. Donc du coup, ma maman me les a redonnés. Un autre petit collier bracelet avec un petit coquillage comme pendentif. Un petit collier avec des coquillages que j'avais fait pour la fête des mères, mais ma mère ne l'a jamais porté donc. Donc voilà comment il faut qu'elle le porte. Il faut qu'elle le porte comme ça. Donc j'ai fait en sorte que ça passe comme ça. Donc ça n'a pas l'air de passer. C'était pour ça d'ailleurs qu'elle ne peut pas le mettre. Donc normalement c'est comme ça et puis hop. Mais il y a un fermoir, c'est pour ça. Donc il y a un fermoir et un fermoir comme ça. Tous les fermoirs que j'avais rajouté en plus que tu mets comme ça et derrière. Attendez. Que tu mets comme ça et ça faisait très beau sur toi. Donc voilà. Mais elle l'a jamais mis et du coup bah elle ne le mettra pas. Je verrai essayer de la convaincre qu'elle le mette. Je vais lui dire que c'est un cadeau de Noël. Peut-être pas avec vous, mais moi. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais le mettre dans cette boîte-là. Et je vais le donner à ma prof. Donc là, je sais qu'elle est pas loin de ma chambre et tout ça. C'est pour ça que je peux pas trop faire. Même si elle est en bas, après, c'est pas très grave. Elle peut m'entendre. Des fois, elle me dit, ouais, t'as fait une vidéo comme ça. Je fais comment tu sais, t'as parlé un peu trop fort. C'était trop trop fort. Du coup, je vais le mettre dans cette boîte-là et je vais dire... De ce côté-là, je veux dire, maman sort son cadeau de Noël en avance. On revient pas. Ensuite, nous avons. Si elle ne le veut pas, elle ne le veut pas, elle refuse. Je vais lui dire après si tu veux le garder quand même. Donc, ça, c'est un petit cool bracelet qu'on peut mettre au cou, mais qui est trop serré pour moi. Donc, du coup, le problème, c'est que je peux pas le mettre. Sinon ça étrangle. Donc j'ai déjà essayé de le mettre à la cheville, donc ne me posez pas la question. Et d'ailleurs je l'ai perdu. C'est pas grave. Donc c'est un petit collier que je vais alors retrouver dans mes affaires plus tard. Donc voilà la petite boîte. Ensuite, nous avons un bracelet comme cela, donc pas trop à mon goût, mais c'est un bracelet, donc j'ai du mal à l'enfiler et à le retirer, mais en tout cas il me va bien. Donc c'est un autre bracelet, donc je pense que les bracelets comme ça, je vais mieux les... parce que ça a pas l'air de s'en mêler, donc les mélanger, on va dire ça comme ça. J'ai peur qu'avec si je mets des... bracelet avec d'autres bracelets, ça se mêle. Généralement, sans chaîne, ça se mêle pas. Donc, c'est sans chaîne, ça peut pas se mêler. Ensuite, nous avons, c'est pas des. C'est loin d'être des colliers, mais c'est des trucs pour vêtements. Donc, tu peux mettre par-dessus tes vêtements. C'est pas beauté. Mais c'est pas. Donc, en fait, c'est un petit truc que tu mets par-dessus. Voilà, c'est une sorte de truc que tu peux mettre dans les cheveux, etc. Donc là, je ne pourrais pas le porter parce qu'il est un peu trop grand pour moi, un peu trop petit pour moi.
Bah tant pis. Je le mets quand même dans mes trucs là. Coiffure. Maintenant nous allons passer à. Alors, j'ai encore quelques petits trucs à vous faire découvrir, mais pour l'instant, ne regardez pas. Donc je cherche les boucles d'oreilles. Enfin les trucs. Donc voilà pourquoi j'ai mis les petits bijoux. Donc maintenant je peux les enlever. Donc ici nous avons trois paires de même fois les boucles d'oreilles parce que normalement j'en avais quatre mais j'en ai perdu une. Donc c'est des petits oreilles comme ça, des petits ronds. Ensuite nous avons des petits papillons comme ça. Donc voilà. Ensuite, normalement on avait deux paires de boucles d'oreilles comme ça, sauf que l'autre je les retrouve pas. Mais je la garde parce que c'est un souvenir que ma soeur m'a acheté. Donc voilà. Ensuite, nous avons deux paires de musique comme ça. Que j'adore. Et ensuite nous avons une comme G, sauf que celle-là, je la garde même si dans la chine, c'est pas grave. Et ici nous avons un petit truc pour un collier, trop beau, trop mignon. Donc ce que je vais faire, c'est qu'il faut que je trouve une chaîne. Donc ici, nous avons comme je vous disais, un truc comme ça là. Ou celui-là il est trop grand. Et la lumière, tu comptes aller l'éteindre ou la laisser allumer? Oui, j'avais éteint. Allez allumer là. Nanana. J'avais éteint. Allez allumer. Il y a des esprits. Derrière toi, regarde. C'est pas vrai. En plus, je suis en train de tourner une vidéo. Toi, tu dis ça comme ça au calme. C'est mon beau-père. C'est mon beau-père et ses farces. N'est-ce pas? Hein? Tes farces me... et toi? Allez! Arrête, j'ai même pas eu peur. C'est sale, c'est propre, c'est quoi? Les preuves. Bah, range-le, nana. Hé, hey, ma lampe! S'en fout, elle va tomber. Non. Voilà, je te l'ai. Bah, tiens pas! Bah, tenez, ce que t'es venu. Voilà, tu y as fait peur. Faut pas faire pour un ma lampe. Du coup, tout ça, je vais garder quand même dans mon. Donc ça après ça peut servir pour décorer vos robes quand vous mettez des robes pour faire des petites décorations sur vos robes. Donc ça je toujours et du coup pour ce petit truc là il va falloir que je trouve une chaîne. Donc j'ai pas de chaîne. Donc j'ai perdu mon petit ange que ma soeur m'avait acheté. Donc sûr je l'avais mis dans ma valise la dernière fois mais je le retrouve plus. Donc si ma belle-mère retrouve ça, je lui dirai de. J'en ai oublié un, hein, donc c'est un petit collier comme ça, donc que j'aime bien. Donc le petit collier par contre, je vais être obligée de le mélanger avec mes petites boucles d'oreilles. Bon, ça, après, c'est pas terrible. Donc ça, je vais garder parce que demain, je vais sans doute m'habiller en robe. Donc je vais sans doute faire la trace des côtés avec le petit petit, bien sûr. Avec un plus petit, je veux dire, parce que le plus petit, ça va pas rentrer. Hein. Je regardais déjà la taille de ça et de ça. Lui, il est plus court que lui. Je me trompe du tiroir maintenant. Et lui, il m'a l'air trop petit. Donc, du coup, voilà quoi. Parce que si je le mets comme ça, ouais, c'est vraiment trop petit. Donc, ce qu'il va falloir que je fasse, c'est qu'il va falloir que je custom tout ça, en fait. Donc, je vais mettre vraiment à la hauteur des côtés de la robe. Enfin, un petit truc comme ça. Et sinon je mets comme ça en tant que sorte de collier mais plein ils disent au pire sinon au pire tais-toi mais non je suis stressée avec mes vidéos ceux qui n'ont pas envie de regarder mes vidéos bah regardez les ceux qui veulent regarder mes vidéos bah regardez les et puis les autres aussi si vous n'aimez pas quelques vidéos ce n'est pas grave moi je vous en voudrais pas. Ici nous avons un petit bracelet qui ne me va plus du coup bah je l'ai jamais mis
C'est dommage parce que bah, j'aurais pu le mettre. Mais je peux le mettre, mais il ne va pas. Je ne peux pas le mettre. Il est trop grand, trop petit. Il est trop petit, du coup, je peux pas le mettre. Donc, ici, nous avons tous mes colliers, un collier et tous mes bracelets. Ici, nous avons mes boucles d'oreilles et quelques petits. Un collier. Ici, nous avons un petit bracelet. Ici, nous avons un collier. J'adore les bijoux. Une bague. Un collier. Et un autre collier qui est là. Et le cadeau d'en retard à ma mère. Normalement, voilà. Je sais pas dans quoi mettre, parce que je voulais faire un coin bijou, mais c'est que je peux pas. À mon avis, j'étais obligée de le remettre dans son sac et à moins que je fasse un truc, donc c'est que je déplace mon petit truc là où il y a quelques trucs qui pendouillent, je prends la palette, enfin que je prenne ça, je mets ça dans une petite boîte que j'ai juste ici en stock. Toujours quelque chose en stock, c'est dingue. Par exemple, je prends la première qui va venir, donc elle, celle-là, et elle va devoir venir. Je casse sa tête. Donc, hop, donc ça là, je vais travailler. Je fais tout tomber. Donc, c'est grave. Enfin, fais plus attention, Nana. N'oublie pas que tu as des trucs sur ton bureau. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre tous mes trucs de maquillage dedans. C'est encore un peu de la lessive, je vous avoue, mais c'est pas grave. Encore un gloss, des rouges à lèvres, des gloss, la 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 la. Des crayons à lèvres. Et je fais ma paupière, ça, ça c'est pour la manicure, ça c'est un peu manicure, je vais mettre avec à l'arrache, tu vois, j'ai pas le temps en fait. Donc du coup ça je vais pas refermer en entier, mais refermer un petit peu, mettre ça dedans. Faire attention de rien faire tomber, rien casser. Ça, du coup, je vais le remonter. Et dans la boîte, du coup, je vais mettre tous mes bijoux. Et comme si c'était en expo, genre, j'ouvrirai mes boîtes à bijoux. En fait. Donc voilà, ça comme ça. Donc celui-là en dessous de ça. Ça c'est un petit bracelet. On va le mettre en exposition. Voilà, donc je garde le couvercle en dessous toujours. On ne sait jamais. Voilà quoi. Si j'ai des gens, par contre, je risquerais de les refermer. Ça du coup. Il y a même des trucs que je peux laisser
comme ça. Par-dessus les petites boîtes, caisses, boîtes. Hop. Celui-là, par exemple, je vais le mettre comme ça. Hop. Et ça, c'est un petit collier que je peux mettre. Et au lieu de mettre les bracelets et les colliers dans ça, sauf ceux que je laisse dans les boîtes. Par exemple, ça, oui, là, ou au pire, tout au haut. En haut, hein, c'est mieux. Ça, comme ça, oui, sur le cœur, si tu veux. Ça, tac. 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 Et tac. Donc ça, c'est comme ça. Donc du coup, ça va faire ça dans ma chambre. Avec les trucs que pas spécialement besoin dans mes lits. Un petit truc. Et ça. Ensuite, maintenant que j'ai fait ça. Ça. Ça va là. Donc là, je vais... Oh, merci. Ça, j'ai perdu le couvercle. Ça va. Dans les trucs de boîte. Aïe, je me suis fait mal. Ça. On m'a entendu. Je suis pas tombée. Je ne suis pas tombée. Je n'ai pas du tout failli tomber. Ça, du coup, ça va aller dedans. Donc tout ce qui est truc, en fait j'ai fait un mélange de vidéos quoi, c'est dingue. Donc ça, hop. Ça comme ça, donc ça. Je n'ai pas tendance à perdre, il ne faut pas que je me perde. Donc c'est des trucs que bien sûr je vais laisser parce que comme c'est des boîtes qui peuvent servir pour des bijoux ou pour n'importe quoi comme truc, bien sûr que je vais les laisser dans des boîtes, ce que je tiens vraiment. Voilà, sauf celui-là achat, parce que celui-là achat je voulais mettre dans la boîte, ce qui rentre pas. Donc du coup voilà, ça fait en exposition mes petits trucs, ce que je serais mieux à faire les bijoux, sauf mes boucles d'oreilles, voilà. Sur ça, regardez, je vais tout rechanger. Je sais, je suis chiante, mais vous allez voir. Celui-là, il va atterrir là, comme ça, sur le côté, parce que celui-là, je ne veux pas l'enlever. Celui-là non plus. Donc, celui-là, il va se mettre. On va trouver des places. Je vais quitter cette vidéo parce qu'elle commence à être longue. Donc du coup je vais quitter cette vidéo et je vais refaire une autre vidéo plus tard. Enfin je ne referai pas de vidéo, mais je quitte cette vidéo. Voilà, bisous.